Il y a une inconscience rampante dans l'activité humaine. Tout se joue de manière hâtive, compulsive. C'est l'instinct, la violence. Les choses qui arrivent parce qu'on n'a pas le temps d'être présent à ce qui se passe. D'entre nous sommes pris dans ce système. Ce système est le résultat de toutes les actions inconscientes. Nous le voyons partout. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de présence d'esprit. Il y a juste quelque chose qui se joue, qui est mécanisé, qui est robotisé. Et en fait, tout le monde est prisonnier de ce carcan. Très peu réfléchissent. Je voulais dire par là que nous sommes dans une étape de l'histoire de la race humaine où il semblerait que tout va vers le mur et que beaucoup ne s'en aperçoivent même pas. Parce qu'ils sont happés par l'enjeu qu'il y a dans tout ça. L'enjeu, c'est le bien-être que je peux avoir, le privilège que je peux garder. Et tout ça nous occupe l'esprit pour ne pas voir la réalité de ce qui se joue vraiment. Nous le regardons comme si c'était loin là-bas, et on espère que ça ne viendra pas à nous. Les guerres, les disputes, les choses qui se passent autour de nous dans ce monde. Nous évitons cela. Nous nous cachons et nous cherchons quelqu'un qui sera responsable si cela arrive jusqu'à nous. Parce que nous ne voulons pas voir, nous ne voulons pas prendre la responsabilité de ce qui se joue. Pourtant, nous sommes tous collectivement impliqués dedans. Nous sommes impliqués à vouloir être dans le bien-être. Et ce bien-être vient de quelqu'un qui te le donne quelque part sur la planète Terre. Mais tous, on est occupés à ça. Même celui qui va te le donner, il est occupé. L'esprit n'est pas libre pour voir vraiment le danger, pour voir le mur dans lequel on va. Il est trop occupé. Il y a cette frénésie de vouloir toujours encore mieux pour que la zone de confort que tu t'es faite puisse être encore mieux. La zone de confort que tu as doit perdurer. Mais rien ne perdure. Tout est voué à l'éphémère. Il n'y a pas quelque chose qui sera sécurisant à jamais. Parce que tout ce que tu cherches pour te sécuriser, c'est un château de cartes que tu montes. Et en fait, à la fin, il y a toujours une déception dans cette sécurité que tu te procures. Parce qu'elle est toujours à être construite. Tu dois toujours et toujours construire cette sécurité. Tu dois toujours chercher encore plus de sécurité, chercher encore plus de privilèges, encore plus de notoriété, encore plus la position que tu te donneras sur la place sociale. Tu es emprisonné dans un monde que tu as fait toi-même et que tu ne veux pas voir la réalité de ce qui se passe vraiment. La réalité, c'est que tout ce que tu vis là, c'est quelque chose qui est fabriqué par l'inconscience. Et cette inconscience,
fait en sorte que elle se perdure. Et tout le monde y met du sien pour qu'elle puisse continuer ainsi. On est comme un troupeau de moutons. Et nous ne voulons pas voir au-delà de ces sentiers battus que nous avons. Quelqu'un nous y mène. Une propagande nous y mène. Nos pensées nous y mènent. Le passé nous y mène. Et en fait, on va droit au mur. Parce qu'on est aveuglé par la promesse de celui qui nous donnera quelque chose de mieux. Cette récompense que nous cherchons tous. On donne de la valeur à la promesse que l'on se fait à soi-même. On a envie d'être celui qui vit une vie de rêve. Et la vie de rêve occupe tes pensées. Et tes pensées te mènent en bateau. Parce que tu ne vois que ce que tu veux voir. Et tu ne vois plus la réalité. Donc, pour la plupart, on est happé par l'envie de bien-être que nous goûtons tous les jours et que nous n'avons jamais assez, jamais satisfait, jamais comblé. Nous le cultivons toute une vie sans que rien, rien de merveilleux ne nous ait donné. Parce que la vie en elle-même, c'est la beauté. Et si tu ne touches pas à cette beauté pendant ton vivant, cette beauté de voir que tout est vivant, que toute la mécanique que nous avons construite pour pouvoir nous protéger, ces murs de réconfort que nous avons construits, ne peut pas te sauver. Ces murs, ce sont tes peurs, tes appréhensions. Et tu jubiles avec ça. Toute la journée, c'est comme les petits hamsters dans la roue. Ça tourne et ça tourne. Et ça ne cesse jamais de tourner. La tracasserie de l'humanité est en vogue. Rien ne peut changer cela. Si la conscience de ce que tu es est absente, alors rien n'est vu. Parce que c'est seulement quand tu es présent que tu peux voir le mécanisme, toute la frénésie de ce que la pensée propose, de ce que le passé propose, de ce que tes conclusions proposent. Tout ça, c'est du leurre. C'est quelque chose qui a été propagandisé dans l'esprit et tu le gardes comme s'il y avait un espoir pour pouvoir s'en sortir. Mais jamais. Personne, rien ne peut te sortir de cet enchevêtrement qui est celui du mouton qui va vers le mur. Tu es omnibulé par le gain d'une vie qui n'existe pas. La vie que tu cherches, c'est une projection de toi-même. Tu veux voir les choses autrement que ce qu'elles sont maintenant. Tu attends toujours sur le bord de ton cheminement vers le destin de ta vie, quelque chose qui va être un peu mieux pour pouvoir traverser l'existence avec un peu de réconfort. Mais l'existence se vit telle que c'est. Rien ne viendra te sauver pour que tu puisses continuer à traverser cette vie. Cette vie est tout ce qu'il y a. Il n'y a rien d'autre. Et si tu ne la connais pas, si tu ne l'accueilles pas, si tu n'es pas en train de l'embrasser pour ce qu'elle est, le bon, le mauvais, le bien, le mal, embrasser tout ça comme un seul élément, pas des éléments distincts que tu sépares, que tu divises, pour pouvoir mieux te sentir. Parce que celui qui veut mieux se sentir, c'est celui qui va essayer d'arranger les choses. C'est celui qui est contre ce que la vie propose.
C'est celui qui s'appelle le personnage, le moi, l'ego, qui veut toujours exister pour être celui qui a de la valeur. On se donne de la valeur pour pouvoir exister dans ce monde aux yeux des conformistes. Mais rien n'y fera. Parce que toujours, tu seras happé par le désir de plus, encore plus. Jamais tu ne trouves la quiétude. Toujours tu es occupé à faire valoir le destin que tu veux atteindre. C'est-à-dire cette vie d'illusion, cette vie de rêve, cet idéal soi que tu te promets d'être, qui n'existe pas. Alors, tu te donnes la promesse d'atteindre ce soi que tu aimerais faire exister. Tu fais de la méditation, du yoga. Tu travailles sur toi en espérant que quelque chose viendra un jour où tu seras libéré de tout cet acharnement qui se véhicule dans l'inconscience. Et quand tu cesses tout ça, quand tu n'es plus en train de chercher comment atteindre un but, alors tu t'aperçois qu'il n'y a pas de but. Et il n'y a que ce que tu es là maintenant, à être accepté comme c'est, sans vouloir faire en sorte qu'il y a autre chose qui puisse t'aider pour continuer à vivre ta vie de rêve. Personne ne peut t'aider parce que c'est une illusion. Personne ne peut t'aider à être joyeux. Personne ne peut t'aider à être toi-même. Tout ce que tu auras, c'est l'illusion que tu projettes. C'est-à-dire tes pensées projettent une vie. Et cette vie, c'est ce que tu cherches à gagner. Et tu es occupé avec ça. C'est pour ça que tu ne vois pas le danger. Tu ne vois plus la réalité de ce qui se joue. Et en fait, on ne s'éveille jamais. On ne voit jamais la réalité. Parce que elle est défendue. Elle t'est interdite parce que tu vois le monde seulement dans l'ornière de tout ce que tu as appris. Et pour sortir de là, tu cherches. Et pour sortir de là, tu dois trouver la liberté d'esprit, la liberté d'être présent, la liberté de ne plus être amené par le bout du nez, par toutes les pensées que tu as, par toute la propagande de cette vie. Parce que c'est ce qui se passe. Tu es mené par le bout du nez, par toute la propagande de ce que on te promet. On te promet une belle vie, on te promet la sécurité, on te dit il faut réussir, il faut devenir quelqu'un pour être bien. Et en fait, quand tu deviens quelqu'un, alors tu ne sais plus qui tu es. Tu es celui qui est devenu l'arrogance de toi-même. Tu ne vois plus les choses avec amour, avec joie, avec paix. Tu vois les choses comme si elles étaient l'objet de tes désirs et tu les poursuis. Et tout le temps, c'est la même chose parce que tu n'es jamais satisfait et tu es toujours en train de faire ça. Abandonner cela demande que tu sois alerte, que tu sois présent à ce qui se joue. Alors, apprends à regarder le monde, apprends à te regarder, à te voir tel que tu es, à voir le monde tel qu'il est, toutes les mensonges qui se jouent, toutes ces choses qu'on se raconte sur les autres et sur la vie qu'il y a autour de nous. Tout ça, ce sont des histoires qu'on peut faire, on peut énumérer toutes les histoires et voir combien de déceptions on arrive à avoir. Toutes ces déceptions sur toutes les choses que l'on a voulu faire exister a toujours été une insatisfaction grandissante. Et le monde va de plus en plus dans cette direction-là, où tout le monde cherche de la satisfaction à l'extérieur de sa peau. Mais il n'y a rien. À l'extérieur de ta peau,
Il n'y a que ce que tu as construit. Le monde est une illusion. Et l'illusion te propose la vie mondaine, la vie qui se répète tout le temps de la même manière parce qu'elle est devenue mécanique. Il n'y a pas le souffle de vie dedans. Et le souffle de vie, c'est la présence que tu es. C'est ce que tu es pour de vrai. Cette présence que tu es change la donne. Parce que quand tu es là, à voir ce qui se passe, il y a une grande intelligence. Il y a une effervescence de ce que la vie propose. Il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a de la paix. Parce que tu comprends le danger et tu t'écartes de ce danger. Tu ne rentres plus dans la mécanisation de ce que l'inconscience propose. Parce que tu es présent. Et cette présence est consciente. Conscience de tout. Conscience de tout ce qui se joue. De tous les mensonges. De toutes les choses que on vit et qui sont des leurs. Donc, être présent, ça veut dire que tu cesses de te leurrer avec ce que tes pensées te racontent. Parce que tu vis au niveau de la pensée, au niveau du mental, mais jamais au niveau du cœur. Parce que le cœur, c'est la présence d'être ce qu'on est et pas ce qu'on voudrait. Et ce qu'on voudrait nous attire en dehors de la conscience. Et cette conscience est cruciale parce que c'est comme ça que tu vas changer la vie que tu as, la vie que tu veux vivre, et pas la tienne, mais celle que l'homme te propose. Et ce qu'il y a à vivre est déjà présente là, au fond de toi. Et la vie qui s'exprime au fond de toi est quelque chose qui va couler avec allégresse pour mettre l'ordre dans les choses qui se jouent, pour que tu puisses voir qu'il n'y a pas cette vie que tu veux. Ce que tu veux, c'est un leurre. Ce que tu aimerais faire exister, c'est un leurre. Ce que tu aimerais voir se réaliser, c'est un leurre. Tout ce qui est fait dans l'instant présent, là, maintenant, c'est que ça qui est réel. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de demain, il n'y a pas de hier, il y a juste la vie qui coule, là, tout de suite. Et là, c'est la présence que tu es. Tu es cette présence, tu es cette beauté qui coule. Et cette beauté change la donne que tu as toujours vécue, cette direction que tu as prise pour aller vers le mur. Enfin, tu t'en aperçois et tu t'en écartes. Tu vas autre part que là. Tu n'es plus subjugué par la promesse qui te donnera quelque chose de merveilleux à vivre. Cette promesse est fausse, c'est de l'illusion. Une belle illusion, que nous avons tous été assez stupides pour poursuivre cela et réaliser que cela nous fait souffrir.